Beaucoup de choses et rien en tout, les acteurs, les participantes, beaucoup plus d'internationalisation, beaucoup plus d'environnement, enfin de démarches d'environnement durable, toujours un engagement avec Cœur de Gazelle. Et vous avez commencé quand justement cette démarche environnement durable ? Il y a à peu près 6 ans que nous avons commencé et nous sommes le seul rallye à être ISO 14001. Tout simplement parce que nous sommes des femmes et que c'était important déjà de trier ces déchets, de laisser le désert propre, de ne pas avoir d'impact sur le pays que je traverse. Un rallye avec des femmes, comment vous avez mis cette idée ? Je voulais valoriser les femmes dans l'entreprise. Je voulais faire savoir que les femmes étaient capables d'être mises dans un secteur qui n'était pas le leur et qu'elles avaient toutes les chances de s'en sortir. C'est ce qui arrive. Et vous, personnellement, vous y avez participé ? Absolument pas, j'ai pas le temps. Je l'organise, c'est déjà une grosse charge. Et vous y comptez un jour ? Ah non, absolument pas, elles sont folles. Vous avez quand même jamais été dans une voiture ? Ah si, bah non, j'ai fait quelques reconnaissances, je suis dans une voiture bien entendu, mais je ne fais pas le rallye en tant que tel. Et quel est votre souhait là pour l'avenir du rallye ? Plus de femmes, plus de tout, plus de reconnaissance. Encore. Pour les femmes. Ah, pour les femmes. De savoir que l'épreuve est difficile et qu'elles ont un mérite extraordinaire. Et pour des personnes justement qui font pas ça pendant l'année, vous trouvez qu'elles s'en sortent comment ? Elles s'en sortent très très bien, d'une manière fabuleuse. Alors, cette année, vous leur souhaitez quoi aux filles ? Je leur souhaite du bonheur, que du bonheur.